Le tourisme, je vous l'ai dit, fait partie des secteurs privilégiés par le gouvernement. Le tourisme à la fois balnéaire, culturel et mémoriel. L'État entend en faire un gisement de croissance et a consenti à des investissements importants depuis 7 ans. On s'intéresse donc à l'impact de ces ressources injectées sur l'économie. Jennifer, bonjour. Bonjour Herman, bonjour chers téléspectateurs. Alors merci Herman pour l'introduction. Vous le disiez si bien, le tourisme est ce levier, hein, un des leviers les plus importants pour le gouvernement. Et nous en parlons, nous nous intéressons notamment, Herman, à l'assainissement du secteur du tourisme au Bénin. Quelles sont les retombées sur l'économie locale? Je reçois pour en parler M. Richard Laurentor. Bonjour M. Laurentor. Bonjour Mme Sadi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes le secrétaire général du consortium Touristes par Million au Bénin, mais également le directeur général du centre d'études touristiques et promoteur de AAT. Je pense que nous avons le bon profil. Déjà, le secteur est en plein chantier actuellement. Herman l'a annoncé. Quelles sont, je dirais, les améliorations déjà enregistrées? Effectivement, le secteur au Bénin est en plein chantier, je dirais, avec une évolution du concept qui va beaucoup plus vite que ce que l'on constate dans les pays africains dont on disait ces dernières années que ce sont des pays touristiques. En fait, les améliorations, nous avons commencé à les constater, et non seulement dans la fréquentation, mais surtout dans les intentions d'arriver au Bénin, qui se manifestent de plus en plus au niveau donc des réceptifs que nous sommes, que les agents du voyage représentent. Et il y a un certain nombre d'intentions donc qui sont manifestées de la part des tour opérateurs qui sont les principaux émetteurs, les principaux vendeurs de la destination. Alors, vous parlez hein, de cet intérêt hein, du tourisme au Bénin qui est enregistré. Et on fait généralement le lien justement entre tourisme et développement de l'économie locale. Quel est selon vous le parallélisme entre les deux? Oui, vous savez que le tourisme est par excellence l'activité fédératrice d'un certain nombre d'activités de commerce de détail. Vous voyez, quand on implante un hôtel dans un environnement, tout autour de ça vont graviter un certain nombre d'activités tels que l'artisanat, tels que les transports locaux, tels que tout ce qui est commerce de détail pour permettre aux touristes qui arrivent d'avoir dans un environnement immédiat tous les besoins propres à tous les produits propres à ces besoins. Et ça, je pense que toutes les localités qui reçoivent des investissements touristiques sont des localités qui sont appelées à se développer avec des organisations de jeunes, de citoyens qui se mettent ensemble pour proposer un certain nombre de produits à ceux qui arrivent. Donc il y a un accroissement de revenus, une amélioration de la situation économique locale et qui est bien sûr une manifestation bien sûr, du tourisme. D'accord. Et justement, le gouvernement a fait d'importants investissements dans le secteur. On note une grande amélioration et dans nos recherches, on nous dit également que c'est la première fois que autant de fonds sont éjectés dans le tourisme. Déjà, quels sont les changements que vous, personnellement, vous avez enregistrés, vous avez notés? Voyez-vous, nous avons connu dans le passé une relative lenteur dans la fréquentation, dans les actions de promotion qui nous ont amené à avoir, si vous voulez, un flux de tourisme relativement modeste. Ce que nous commençons à noter, comme je vous le disais, c'est d'abord une amélioration de la fréquentation qui est accompagnée d'une amélioration des recettes touristiques. Oui, là, nous sortons de la crise du Covid, mais le rebond est considérable. Et même par rapport à ces investissements d'ailleurs que nous notons au Bénin, nous voyons que la demande se fait nettement plus fort. Et dans les années à venir, notamment autour de 2025, nous allons avoir
un changement complet de visage de notre tourisme, parce que le Bénin se repositionne aujourd'hui et vous ne pouvez pas. Moi, je rentre d'une réunion à Paris, tout ce que vous voyez, vous avez la fierté d'être béninois, parce que bon, ceux qui sont venus récemment ont trouvé qu'il y a des changements énormes dus au fait du tourisme. Aujourd'hui, tout le monde comprend, et les gens comprennent en tout cas beaucoup mieux que par le passé, ce que c'est que le tourisme et ce que c'est que son impact sur l'économie. La relation entre le tourisme et l'économie, je pense que c'est l'un des sujets que vous abordez, est quelque chose de manifeste, puisque le touriste qui arrive, il va être hébergé, il va se restaurer, il va aller visiter, il va se distraire, et à chaque étape de son séjour, c'est de la dépense touristique qui fait. Et donc c'est une recette touristique pour le Bénin. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre, qui a été très vite saisi par le gouvernement, qui a mis donc ce secteur comme un secteur prioritaire de son action. Les effets, nous les sentons. Déjà, il y a un effet psychologique, je vous assure. Quand on parle du Bénin, on voit tout de suite, attention, il y a de nouveaux hôtels, il y a des aménagements de sites, il y a une réglementation qui fait une mise aux normes de notre tourisme, parce que ne nous voyons pas la face, nous sommes en compétition avec beaucoup d'autres destinations touristiques. Et aujourd'hui, la démocratisation du tourisme fait que le touriste qui voyage devient de plus en plus exigeant. Et par rapport à cela, il faut que le Bénin se distingue. Aujourd'hui, il le fait. Le Bénin a commencé à se distinguer par la qualité des investissements, mais également par tout ce qui entoure cela. Et je veux parler notamment donc, de tout ce qui est mis en place pour le renforcement de capacité des acteurs, tout ce qui est mis en place pour la réglementation, et tout ça constitue à un réhabillage de l'offre touristique et à son repositionnement pour permettre au Bénin d'être aujourd'hui, franchement et incontestablement, parmi les meilleures destinations. Vous voyez, par exemple, quand je prends le visa électronique aujourd'hui, comment ça a boosté l'arrivée sur la destination. Quand je prends la suppression de l'obligation de visa pour les Africains, c'est quelque chose de fabuleux. Et ce sont des thèmes forts qui permettent, qui donnent confiance d'ailleurs, et qui permettent aujourd'hui d'espérer que dans les 5-10 ans, eh bien, le bien sera complètement méconnu sur le plan international. Merci beaucoup pour ces explications. Mais au niveau des différentes fêtières, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées pour quand même suivre, je dirais, cette révolution qui est observée? Je pense qu'il y a beaucoup qui se fait, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui au niveau des fêtières. Je n'avais pas dit pour accompagner le gouvernement, parce que tout ce qui est fait, c'est d'abord pour que le secteur privé en bénéficie. Et donc, l'appropriation de tous ces investissements par les fêtières devient aujourd'hui une action quotidienne. Je ne veux pas dire des réunions, non, mais quand même un certain nombre de restructurations des organisations pour leur permettre de prendre des responsabilités et de prendre effectivement des actions concrètes. Parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État seul ne pourra pas satisfaire, ne peut pas faire la promotion de la destination. Il faut une participation, j'allais même dire majoritaire, du secteur privé pour que tout ce qui se fait ait une meilleure visibilité. Les fêtières ont un rôle important à jouer et je pense qu'elles en sont conscientes. Elles s'organisent en ce moment pour ne pas être disons les éléments qui freinent tout ce que fait l'État aujourd'hui. Il y a, en tout cas, au niveau du CTM que je représente ici, d'énormes actions, d'initiatives qui sont prises, et vous le constatez encore les jours qui vont venir, pour déjà nous approprier et tout ce qui est fait et nous engager nous-mêmes à la suite de tout ce qui est fait pour que vraiment l'offre soit une offre complète
avec une participation, bien sûr, à la fois du secteur privé, du secteur public et du secteur privé. Justement, parlons du secteur privé, selon vous, quel est le rôle qu'il doit jouer pour que nous puissions avoir de résultats concrets, je dirais? Oui, mais c'est exactement ce que je vous dis. Le secteur privé est le premier bénéficiaire. Vous savez, le tourisme, pour revenir à l'économie, c'est deux choses. C'est d'abord une création d'emplois. Une création d'emplois. C'est le secteur majeur de la création d'emplois. Emplois directs dans les secteurs du tourisme, hôtellerie, restauration, dans le transport aérien et tout, mais emplois indirects aussi dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'artisanat, de la culture, des banques, etc., etc. Parce que, en fait, la transversalité du secteur touristique fait que, eh bien, il est présent partout et à toutes les étapes de l'économie nationale. Donc, c'est un gros contributeur au développement socio-économique d'un pays. Ensuite, le tourisme est générateur de devises. Parce que tous ceux qui viennent, eh bien, ils viennent pour dépenser ici. Et leur apport est important pour l'économie nationale. C'est le secteur privé qui est le premier bénéficiaire de tout cela. Et donc, le rôle du secteur privé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de s'approprier cet élan nouveau qui est manifeste aujourd'hui de toute façon et de revendiquer et de faire la mise en route normale de ce qui se fait. Le gouvernement à travers une décision du Conseil des ministres le mois dernier, a décidé d'assainir le secteur par une réglementation. Ça aussi, c'est dans l'intérêt du secteur privé. Tout à fait. Alors justement, hein, parlons de cette réglementation qui a été prise en Conseil des ministres mardi 26 septembre dernier. Nous allons suivre un élément, un reportage, et nous allons revenir sur le plateau. Faire du Bénin l'une des destinations les plus prisées en Afrique et dans le monde. Telle est l'ambition du gouvernement de Patrice Talon qui, depuis 2016, balise la voie pour donner corps à ce rêve. En 2022, le gouvernement opte pour un renforcement du capital humain. D'importants investissements ont été faits dans ce sens. 54 guides touristiques et 700 professionnels du secteur ont pu bénéficier d'un renforcement de capacité selon leur branche de métier. Dans la même dynamique, le Conseil des ministres de ce mardi 26 septembre 2023 marque une autre importante décision, celle de l'assainissement du secteur du tourisme en vue de mettre en adéquation les textes qui régissent ce domaine. Une telle ambition nécessite que soient mises aux normes les principaux métiers qui portent le secteur, tels que l'hébergement, les agences de voyage, les guides, afin de favoriser une offre de produits et de services touristiques répondant aux standards internationaux. L'élaboration des présents décrets vient donc remédier à ces insuffisances propices au développement du tourisme dans notre pays. Ils portent respectivement sur les types d'établissements d'hébergement touristique, les spécificités de la profession de guide de tourisme, puis les conditions à remplir pour l'ouverture des agences de voyage et de tourisme. Des projets de décrets élaborés et finalisés dans une approche participative et de dialogue avec les faits tiers. Elle fixe également les modalités d'exercice de ces différentes activités, tout autant que les sanctions aux manquements, une méthode qui permettra de corriger les insuffisances notées. L'objectif étant de favoriser l'avènement d'un cadre réglementaire propice au développement du tourisme au Bénin. Par le Dierman, vous l'avez suivi, vous commenciez à le dire, cette décision a été prise. Quelle appréciation vous en faites? Est-ce que cela viendra concrètement bouger les lignes? C'est une décision salutaire. Et qui fera bouger les lignes?
Parce que vous savez, l'offre touristique est un élément global. C'est comme un package. Les investissements infrastructurels ne suffiraient pas s'il n'y a pas la formation, s'il n'y a pas un renforcement de capacité. Mais tout ça ne suffit pas non plus. Si le secteur n'est pas réglementé, n'est pas, disons, régi par un certain nombre de normes. Et je pense que c'est la préoccupation du gouvernement. Aujourd'hui, nous devons garantir la meilleure qualité possible de services touristiques à nos clients, à nos touristes qui arrivent au Bénin. Et par rapport à ça, si nous ne nous conformons pas à la réglementation, eh bien, figurez-vous, si malgré tous les efforts qui sont faits, on constate que dans des hôtels, il y a des chambres qui sont mal tenues, il y a au restaurant la qualité des repas qui pose problème, Imaginez-vous, au niveau des agents de voyage, s'il n'y a pas un engagement de l'agent de voyage à respecter un contrat, parce que le produit, le forfait a été acheté dans une telle condition. Et le client qui a acheté un forfait, un package, s'attend à recevoir des services touristiques donnés, d'un niveau donné. Et donc, si la réglementation ne vient pas cadrer un peu tout cela, eh bien, nous aurons beau mettre en place les outils infrastructurels, mais on n'aura pas répondu à l'attente de la clientèle internationale. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est... C'est un investissement, moi j'aurais même parlé d'une professionnalisation du secteur. Oui, parce que aussi bien dans les hébergements, dans les agences de voyage, qu'au niveau des guides, et voilà encore quelque chose, et par rapport à ça d'ailleurs, l'État a commencé, l'État s'est dit, attention, il ne faut même pas attendre que tout soit mis au point pour que les guides, c'est-à-dire ceux-là qui sont en contact avec nos touristes et qui vont permettre que l'attractivité prenne un sens réel par rapport à leur discours, à leurs commentaires, il faut que ceux-là, déjà, eh bien, reçoivent un minimum de connaissances, de renforcement de capacité pour pouvoir répondre. Et il faut aussi que cette profession soit réglementée. Et ce n'est pas qui veut qui va se lever pour aller assurer le guidage d'un groupe qui arrive, parce que toute la sensibilité passera par là. Si ça réussit, c'est bon, mais si ça ne réussit pas, c'est une catastrophe pour la destination. Donc, moi, je pense que cet assainissement est bienvenu et il permettra de booster davantage notre tourisme dans la mesure où le produit est déjà bon et n'attend que d'être soutenu par ce genre d'action et d'initiative. Alors, que répondez-vous alors aux personnes peut-être qui estiment qu'il ne faut pas forcément une réglementation parce que l'objectif, justement, c'est, je dirais, d'engranger des ressources, de faire voir le Bénin. Donc, dès qu'on a une envie, dès qu'on a peut-être, je dirais, un peu de sous pour créer quelque chose, c'est toujours bénéfique. Comment on peut... Bon, je respecte les opinions des uns et des autres, mais comment peut-on penser qu'une réglementation n'est pas nécessaire? Lorsque on veut faire en même temps, on a fait le choix d'une mise aux normes à l'international, d'un produit. Et s'il n'y a pas, à mon avis, s'il n'y a pas le cadrage réglementaire nécessaire, il va y avoir des dérapages. Et ça, c'est sûr. Ce dont nous avons besoin, c'est un produit touristique bénin, mais un produit touristique bénin de qualité qui permette que les gens qui viennent eh bien, aient toujours envie de revenir. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Richard Lourentan. Je vais vous demander quel sera votre mot de fin pour cet entretien. Mon mot de fin, d'abord, je vous remercie et dire qu'au niveau donc, de la fêtière Consortium Touriste par Million, CTM Bénin, et nous avons pris à cœur toutes les initiatives du gouvernement aujourd'hui en faveur du développement du secteur du tourisme et nous œuvrons au niveau de tous nos membres et sur l'ensemble du territoire national pour que l'accompagnement du secteur privé devienne une réalité, que le secteur privé sache qu'il est le principal bénéficiaire de tout ce qui se fait aujourd'hui et que sa professionnalisation
doit être au rendez-vous de 2024-2025 afin que le Bénin soit véritablement le pays touristique de l'Afrique et pourquoi pas au-delà. D'accord, merci beaucoup Monsieur Richard Laurentin. Je rappelle, vous êtes secrétaire général du consortium touriste par million au Bénin, également directeur général du centre d'études touristiques et promoteur de AAT. Herman, ce sera tout pour cette rubrique aujourd'hui. Merci. Merci à vous Jennifer Sativ, merci également à vous Monsieur Laurentin. On en sait davantage sur évidemment ces investissements consentis non seulement par l'État mais également par les partenaires privés pour la promotion du secteur touristique au Bénin. On voit déjà les fruits donc des premiers investissements consentis dans le secteur. On l'a rappelé à suffisance, le tourisme au Bénin sur trois volets, le volet mémoriel, le volet balnéaire, mais également le volet, il y a un dernier volet, j'avais le volet culturel, voilà. Pour l'instant, les parcs nationaux sont fermés en raison de la situation sécuritaire dans le nord bénin. Mais on espère que ces parcs-là ouvriront très bientôt leurs portes, pourquoi pas, pour que nous allions faire du safari. Et on a oublié quand même d'évoquer un aspect important, quand même, c'est l'aspect domestique. Qu'en est-il du tourisme domestique? Est-ce que les Béninois eux-mêmes déjà s'intéressent à leur patrimoine touristique? Je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne veux pas dire tout le bruit qui se fait autour du tourisme, mais enfin, toutes les actions qui se font au niveau du tourisme sensibilisent les Béninois au bienfait du tourisme et à la nécessité pour eux-mêmes de connaître leur propre pays. Et je pense que ça, c'est inévitable. Et ce que je voudrais dire simplement, c'est que nous cessions de faire le lien entre revenus et, je veux dire, capacité économique et besoin de faire du tourisme, parce que le besoin du tourisme est une nécessité. Le tourisme est une nécessité, et notamment compte tenu de la richesse de notre potentiel, il est important que les Béninois soient les premiers vendeurs de leur propre patrimoine, plutôt que d'attendre que ce soit les étrangers qui viennent l'apprécier à notre place. Absolument, et c'est très important. Merci beaucoup. Allez, du secteur touristique au champ, dans nos plantations d'anacardier, mais je ne sais pas combien de pas il y a, mais bon, je sais que c'est à milieu quand même. Allez, on s'intéresse à présent à la filière anacard, et bien évidemment de cette innovation, de cette réflexion de ce jeune statisticien data analyst qui a mis au point, on va le dire ainsi, une machine learning pour prédire les rendements. On parle de tout ceci dans un peu plus de 30 secondes.